Bah super, bah écoute, c'est très bien, ce sera le premier morceau, on va démarrer là-dessus. Alors attends, j'éteins un peu, on était sur du Obispo là, tu vois, comme quoi j'ai rien bossé aujourd'hui, donc c'est bien, je suis même pas chaud, ça va chauffer en direct. Alors, je mets un petit enregistreur avec un meilleur son. Hop, on va faire un clap aussi. C'est pas pour tout de suite. Tac. Ok. Alors, apparemment, je viens d'apparaître. Super. Et ben, on prend ça. Hop, on se fait beau. Alors, y a qui? On est que deux. Bah ben, écoute, mon tout-off. C'est parti pour Brave Margot. Et puis le temps que ça vienne. Voyons un peu mon éclairage là. Attends, c'est un peu trop grave quand même. Est-ce que c'est mieux comme ça? Pas plus ciblé là. C'est mieux la façon de parler quoi. Ok, t'es là, Christos. Donc, eh ben, écoute. Hop, j'enlève le petit cache-pot. Tac, l'enregistreur c'est bon. On a démarré, ouais. Là aussi. Le cadrage, on est bon. Eh ben écoute, c'est parti, hein. On attend les prochains spectateurs. Et on part sur un petit Brave Margot. Allez hop. Trouvant dans l'herbe un petit chat qui venait de perdre sa mère, l'adopta. Elle en couvre sa collerette et le couche contre son sein. C'était tout ce qu'elle avait, pauvrette, comme coussin. Le chat, la prenant pour sa mère, se mit à téter tout de go. Ému, Margot le laissa faire, brave Margot. Un croquant passant à la ronde, trouvant le tableau peu commun, s'en alla le dire à tout le monde et le lendemain. Margot dégrafait son corsage pour donner la gougoute à son chat. Tous les gars du village étaient là, 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 étaient là, 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 là. Et Margot, qui était simple et très sage, présumait que c'était pour voir son chat. Tous les gars du village. La 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 était la 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 la. Maître d'école et ses potaches, le maire, le bedeau, le bougnat, négligeaient carrément leurs tâches pour voir ça. Le facteur d'ordinaire s'y preste pour voir ça, ne distribuait plus les lettres que personne au reste n'aurait lues. Pour voir ça, Dieu leur pardonne, les enfants de cœur au milieu du saint sacrifice abandonnent le saint lieu. Les gendarmes, même les gendarmes, qui sont par nature si ballots, se laissaient toucher par les charmes du joli tableau. Quand Margot dégrafait son corsage pour donner la gougoute à son chat, tous les gars du village étaient la 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 la, étaient la 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 la. Et Margot, qui était simple et très sage, présumait que c'était pour voir son chat. Tous les gars du village étaient la 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 la, étaient la 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 la. Mais les autres femmes de la commune, privées de leurs époux, de leurs galants, accumulèrent la rancune patiemment. Puis un jour, ivres de colère, elles s'armèrent de bâtons, et farouches elles immolèrent le chaton. La bergère, après bien des larmes, pour ce qu'on célébrit un mari, et ne dévoila plus ses charmes que pour lui. Le temps passa sur les mémoires, on oublia l'événement, seuls des vieux racontent encore à leurs petits-enfants. Quand Margot dégrafait son corsage pour donner la gougoute à son chat,
tous les gars du village. Était la 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 la, était la 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 la. Mais Margot, qui était simple et très sage, présumait que c'était pour voir son chat. Tous les gars du village. Allez, petite chanson de chauffe. Ah, ça y est, on a du monde. Philippe qui arrive pour moi. Les quatre bacheliers. Ah, très bonne colle. Kenny J. Alors, je ne te connais pas encore, Kenny J. Salut Antoine. Le temps de faire, il y en a à faire. Très bien, ok. Et Catherine. Et puis, tout off, comme tu étais là, tu peux recommander un titre, hein. Macatoun est dans le jardin, super, ben ouais, c'était adorable la petite photo que tu m'as envoyée. Christophe, tu peux recommander un petit titre, puisque voilà, tu as bénéficié du bonus premier arrivé, premier servi. Et donc, on envoie, donc je vais pas aller, j'ai pas besoin de les noter, là il y en a 4. 4 bacheliers de temps de faire, rien à faire, non demande en mariage. Bien sûr, tout, c'est possible Catherine, bien sûr que c'est possible. Tout ce qui est dans les chansons de l'intégrale, voilà, des albums studio. Je voulais refaire un petit peu. Voilà le cadre, on est bon. Donc à partir du moment où c'est dans la liste, et la liste correspond à l'intégralité des albums studio, et uniquement ça, et ben ça marche, toutes les chansons sont bonnes. Merci, avec plaisir. Allez, tout à fait, je te laisse en commander une autre, et puis on fera une troisième vague. C'était la, voilà, on vient de faire la première vague. Première vague, c'était une chanson. On va partir sur quoi? Les quatre bacheliers, pourquoi pas, ouais. Non, demain. Je vais me chauffer un peu, Philippe, avant de faire les quatre bacheliers, parce que elle n'est pas difficile, mais elle est un petit peu piège, parce qu'il y a cette alternance de deux tonalités en permanence, donc il faut toujours un peu suivre où on en est. Et puis le texte n'est pas très compliqué non plus, comme c'est assez lent, c'est pas un gros problème, mais il est très long quand même. Et du fait qu'il est très long, ben, on maximise les possibilités de plantage, n'est-ce pas? Voyons voir cette petite lumière là, ouais. Je teste encore hein, le setup. Bon, ça va ça. C'est bien ça sur le côté là, comme ça. Voyons voir. Ok, donc on va partir plutôt sur... allez, le temps fait rien à faire. Ou non, non, on va faire la non-demande à mariage. Tiens, voilà. Allez, la non-demande pour Catherine. La complainte des filles de joie. Ah ben tiens, on va faire celle-là plutôt, voilà. Eh ben, tu m'as donné la bonne raison, ça tombe bien. En plus, il faut que je la travaille pour samedi soir, puisque je spoil un peu, elle y sera samedi soir, cette chanson-là. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant, mais vous êtes tous au courant, je le sais, sauf Kelly peut-être, je suis en concert samedi soir à Paris, au Petit Théâtre, Atelier du Verbe, allez voir les infos sur mon site, tout ça. Allez, c'est parti. Trêve de blabla, on envoie sur Complainte des filles de joie, et puis dans le désordre, ce sera Non demande en mariage, T'en fais rien à la faire, et Les quatre bacheliers. On va voir dans quel ordre ça part. Bien que ces vaches de bourgeois, bien que ces vaches de bourgeois, les appellent des filles de joie, les appellent des filles de joie, c'est pas tous les jours qu'elles rigolent, parole, parole, c'est pas tous les jours qu'elles rigolent. Car même avec des pieds de grue, car même avec des pieds de grue, faire les 100 pas le long des rues, faire les 100 pas le long des rues, c'est fatigant pour les guiboles, parole, parole, c'est fatigant pour les guiboles. Non seulement elles ont des corps, non seulement elles ont des corps, des œils de perdre, mais encore, des œils de perdre, mais encore, c'est fou ce qu'elles usent de grolle, parole, parole, c'est fou ce qu'elles usent de grolle. Y'a des clients, y'a des salauds, y'a des clients, y'a des salauds, qui se trempent jamais dans l'eau, qui se trempent jamais dans l'eau, faut pourtant qu'elles les cajolent, parole, parole, faut pourtant qu'elles les cajolent. Oh, le. Qu'elle leur fasse la courte échelle, qu'elle leur fasse la courte échelle, pour monter au septième ciel, pour monter au septième ciel, les sous croyez pas qu'elle les vole, parole, parole, les sous croyez pas qu'elle les vole.
elles sont méprisées du public, elles sont méprisées du public, elles sont bousculées par les flics, elles sont bousculées par les flics, et menacées de la vérole, parole, parole, et menacées de la vérole. Bien toute la vie, elles fassent l'amour, bien que toute la vie, elles fassent l'amour, qu'elles se marient 20 fois par jour, qu'elles se marient 20 fois par jour. La noce est jamais pour leur fiole, parole, parole, la noce est jamais pour leur fiole. Fils de Pécor et de Minus, fils de Pécor et de Minus, ris pas de la pauvre Vénus, ris pas de la pauvre Vénus, la pauvre vieille casserole, parole, parole, la pauvre vieille casserole. Il s'en fallait de peu, mon cher, il s'en fallait de peu, mon cher, que cette putain ne fût amère, que cette putain ne fût amère, cette putain dont tu rigoles, parole, parole, cette putain dont tu rigoles. Est-ce que j'ai pas oublié un couplet? Je l'ai fait menacer de la vérole, je ne sais plus. Ok, Léo Ferras, très bien, je marque un petit but. Tac, tac, but, but aussi, oui, but, but. On s'en fiche. Ok, alors, on va faire, tiens, allez, les quatre bacheliers. Les quatre bacheliers, et ensuite, le temps ne fait rien à faire, et la non-demande en mariage. But, non. Non, je ne sais pas à quoi tu réponds, Christophe. Nous étions quatre... Non, c'est pas ça. Ça démarre justement. On recommence. Nous étions quatre bacheliers sans vergogne. La vraie crème des écoliers. Des écoliers. Pour offrir aux filles des fleurs sans vergogne, nous nous fîmes un peu voleurs. Les sycophantes du pays, sans en vergogne, aux gendarmes nous ont trahis, nous ont trahis. Et l'on vit quatre bacheliers sans vergogne, qu'on emmène les mains liées, on fit venir à la prison sans vergogne les parents des mauvais garçons. Mauvais garçon. Les trois premiers pères, les trois, sans vergogne, en perdirent tout leur sang-froid, tout leur sang-froid. Alors, comme je t'ai dit, Philippe, celle-là, elle est encore un peu en travaux, on perdit tout leur sang-froid. Comme un seul, ils ont déclaré, sans vergogne, qu'on les avait déshonorés, déshonorés. Comme un seul, on dit c'est fini, sans vergogne. Indigne, je te renie, je te renie. Le quatrième des parents, sans vergogne, c'était le plus gros, le plus grand, le plus grand. Je viens de recevoir une notif, excusez-moi, j'ai eu beau mettre le truc en silencieux. Et une notif vient de passer de Hubert. Merci Hubert, sympa, il me coupe la chanson en plein milieu, ce con de Hubert là.
Ça m'est égal, Hubert. Excusez-moi. Donc, comme un seul, ils ont déclaré. Alors, voyons, on en est où là-dedans? Je te l'avais dit, hein, Philippe. Elle est piégeuse, celle-là, mais c'est parce que je la maîtrise pas encore complètement. Et puis là, je suis pas très chaud, mais c'est pas grave. C'est le défi, hein, comme la dernière fois, le pluriel pour tout off. C'est le défi que je me lance tout seul, en fait. Hein, donc, je me mets dans la merde tout seul. Vous n'y êtes pour rien. On y est. Je vais reprendre le coupé d'Alvin. Voyons voir. Comme un seul, ils ont déclaré. Le quatrième des parents. Allez, on va refaire celui-là. Le quatrième des parents, sans vergogne, c'était le plus gros, le plus grand, le plus grand. Quand il vint chercher son voleur, sans vergogne, on s'attendait à un malheur, à un malheur. Mais il n'a pas déclaré non, sans envergogne, que l'on avait sali son nom, sali son nom. Dans le silence, on l'entendit, sans vergogne, qui lui disait bonjour petit, bonjour petit. On le vit, on le croirait pas, sans vergogne, lui tendre sa blague à tabac, blague à tabac. Je ne sais pas s'il eut raison, sans vergogne, que l'on avait sali son nom, sali son nom. Alors, que l'on avait sali son nom. Ah, c'est... Là, j'ai personne pour m'aider en plus. Puis il y a le public qui me souffle les paroles. Que l'on avait sali son nom. Normalement, qu'est-ce que c'est après ça? On va le refaire celui-là, parce que sinon je me perds. Désolé Philippe pour cette version très approximative. Ça part sur un truc pas très chaud. Je l'ai pas bossé depuis quelques jours, donc ça rend le truc un peu plus difficile. Voyons, voyons. On en était à. On le vit. Je ne sais pas s'il eut raison, sans vergogne, d'agir d'une telle façon, mais je sais qu'un enfant perdu, sans vergogne, a de la corde de pendu, de pendu, a de la chance quand il a, sans vergogne, un père de ce tonneau-là, ce tonneau-là. Et si les chrétiens du pays, sans vergogne, jugent que cet homme a failli, homme a failli, ça laisse à penser que pour eux, sans vergogne, l'évangile, c'est de l'hébreu, c'est de l'hébreu. Ça laisse à penser que pour eux, sans vergogne, l'évangile, c'est de l'hébreu, c'est de l'hébreu. Ok, un petit peu foireux cette version des 4 bacheliers, ben, c'est pour ça que je ne la joue pas encore sur scène, parce que ben, voilà, je me prépare évidemment beaucoup mieux avant de faire un concert. Alors, voyons voir un petit peu le chat. Là, lui, qu'est-ce qu'on a de nouveau dans le chat? Attendez, je n'ai pas assez de lumière sur cet écran. Je sais pas si j'ai pas oublié un couplet, je crois que non, hein, Philippe, confirme. J'espère que non, je pense que...
Je suis brésilien, je ne comprends pas la langue, mais j'ai aimé ton travail. Merci beaucoup. Tutoff, il a retiré son message. D'accord. Ah, Saïd est de retour. Hello Antoine, magnifique work, thanks. Pour me rendre à mon bureau. Ah non, alors pour me rendre à mon bureau, ne fait pas partie de l'intégrale des chansons des albums. C'est une chanson un peu inédite qui a été sortie. Est-ce que c'est même pas d'ailleurs une chanson qu'il a écrite pour quelqu'un d'autre, je crois, au départ. Donc il l'a pas interprétée sur ses albums, en tout cas. Je crois qu'on a des vieux enregistrements un peu pirates de cette chanson-là, mais en tout cas, elle n'est pas officiellement dans la liste. Donc tu peux prendre une prochaine commande. Hello mon copain, alors qui est-ce? Ben, je ne sais pas, ES Câble. Nico. Nico, est-ce que c'est. Alors Nico, il y en a plus d'un. C'est mon Nico. C'est le Nico de où? De Biarritz? Ou c'est le Nico de Madrid? Ou de Barcelone? Ben oui, les musiques de brésiliennes, ben oui, c'était avant. Merci Antoine, avec plaisir. Philippe, écoute, je vais la bosser plus, mais bon, elle est compliquée celle-là, parce qu'elle est longue juste en fait. Donc je peux pas, même si je la bosse tous les jours, ça avancera pas plus vite. Il faut que je la laisse mûrir, quoi. Je l'ai travaillée, je pense au mois de septembre dernier, au mois d'octobre. Donc voilà, c'est ça a l'air loin, mais en fait c'est très frais encore. Putain de toi pour la prochaine session. Ok. Alors il me reste donc la non-demande en mariage et le temps de faire rien à faire. Donc vous pouvez, justement, je prends ta commande, Philippe, putain de toi. Ah, ben c'est Nico, oui, d'accord. Nico de Biarritz, ok, super. Ah, Muriel, on songeait à Fernande. Ben écoute, avec plaisir, il n'y a pas de souci, on arrive sur la deuxième vague. Je finis la première vague, enfin la première. Muriel, tu voulais la princesse et le croque-notes, on n'a pas eu le temps de la faire la dernière fois, donc je suis chaud pour la. Et puis, Muriel, si tu veux, tu viens dans le fauteuil. Voilà, vu que tu habites à côté, si tu veux faire le live en direct avec moi. Par contre, c'est pas pour être loin, machin. Hop, dans le fauteuil, en mode spectateur. Tu seras la bienvenue. Tu prends ton petit verre de rouge, ton ordi, et puis tu regardes, tu surveilles le chat, et puis tu me fais le topo des commandes, éventuellement, pourquoi pas. Ok, donc on finit cette première vague avec la non-demande en mariage et le temps de faire rien à faire. On va faire le temps de faire rien à faire pour commencer. Donc Saïd, tu peux commander une prochaine chanson, plutôt que mon bureau, puisque mon bureau, je ne la fais pas. La femme. Ah ben c'est toi qui choisis, Muriel, hein. Faut faire un choix. Fernande, la femme d'Hector ou le princesse et le croque-notes. Un titre par vague. Allez, le temps ne fait rien à faire. Quand ils sont tout neufs, qu'ils sortent de l'œuf, du cocon. Les jeunes blancs becs prennent les vieux mecs pour des cons. Quand ils sont devenus des têtes chenues, des grisons, tous les vieux fourneaux prennent les genoux pour des cons. Moi qui balance entre deux âges, je leur adresse à tous un message. Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con. Con. 20 ans qu'on soit grand-père, quand on est con, entre vous plus de controverses, qu'on caduque ou qu'on les bute, petit con la dernière averse, vieux con des neiges d'antan, petit con la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Vous les cons naissants, les cons innocents, les jeunes cons, qui ne le niez pas, prenez les papas pour des cons. Vous les cons âgés, les cons usagés, les vieux cons, qui confessez-le, prenez les petits bleus pour des cons. Méditez l'impartial message d'un qui balance entre deux âges. Le temps ne fait rien à l'affaire quand on est con. On est con, con, mais 20 ans qu'on soit grand-père, quand on est con, entre vous plus de controverses, qu'on caduque ou qu'on débute, petit con, la dernière averse, vieux con des neiges d'antan, petit con, la dernière. Traverse, vieux con des neiges d'antan.
Ok, allez, la dernière de cette vague, la non-demande en mariage. N'hésitez pas à demander des titres. Des titres dans le chat. Donc tous les titres de l'intégrale des chansons des albums studio. Uniquement, donc sans les inédits, sans les posthumes et tout ça. Notez votre titre, je prendrai à partir de mon dernier commentaire, là où j'ai mis bu. Il y a déjà quelques commandes. On va entasser ça dans la pile et puis on fera la troisième vague à ce moment-là. Allez, la non-demande en mariage pour Catherine. Et bonsoir aux nouveaux arrivants. J'ai une coupe de je sais pas quoi. Je me vois dans le retour de l'écran là. On va faire comme ça, voilà. Hop là. La femme d'Hector alors. très bon choix Muriel. Mamie de grâce, ne mettons pas sous la gorge à Cupidon sa propre flèche. Tant d'amoureux l'ont essayé, qui de leur bonheur ont payé ce sacrilège. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. Laissons le champ libre à l'oiseau, nous serons tous les deux prisonniers sur parole. Au diable les maîtresses que, qui attachent les cœurs aux queues des casseroles. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au pas d'un parchemin. Vénus se fait vieille souvent, elle perd son latin devant la lèche frite. À aucun prix, moi je ne veux feuiller dans le pot-au-feu la marguerite. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. On leur ôte bien des attraits en dévoilant trop les secrets de Mélusine. L'encre des billets doux pâlit vite entre les feuillets des livres de cuisine. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. Il peut sembler de tout repos, de mettre à l'ombre au fond d'un pot de confiture la jolie pomme défendue, mais elle est cuite, elle a perdu son goût nature. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. De servante n'est pas besoin, ni du ménage et de ses soins, je te dispense. Qu'en éternelle fiancée, à la dame de mes pensées, toujours je pense. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. Voilà pour Catherine. Alors, je refais un petit peu ce petit cadre. Je le trouve pas ouf, là, ce petit cadre. Là. Voilà. On va le faire comme ça. Alors, la prochaine vague. Je note, je prends les notes. Alors, on avait la femme d'Hector. Donc, dans le désordre. La femme d'Hector pour Muriel. Ensuite, je remonte à partir du dernier vu. Donc, si vous venez d'arriver, si vous n'avez pas encore commandé de morceau, commandez votre premier morceau. Ça arrivera pour la vague numéro 3 qui arrive tout de suite. Alors, ça y est, tac, 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 mon bureau. Donc, non, pas possible. Nico, l'orage, si j'ai bien, voilà, de mémoire, l'orage.
Putain de toi pour Philippe. PDT. Ok. Si on songeait à faire. Donc, finalement, elle a changé trois fois d'avis. Muriel, donc la femme d'Hector. Ok. Bonsoir à tous. Salut Florent. C'est Florent, hein, si je me souviens bien. Il y a bien longtemps que je n'ai pas entendu le petit cheval. Bah, t'étais pas là la dernière fois. Mais le petit cheval, ça marche. Philippe l'avait commandé, justement. Mohamed, bonsoir. Mohamed, il te reste quelques secondes. Bonsoir d'Allemagne. Ben, bonsoir d'Allemagne. Bonsoir de Paris. Le pornographe pour Kenny. Allez, Mohamed, si tu veux en commander une. Et Saïd aussi. Le pornographe. Sinon, ça sera la prochaine vague. Allez, je vous laisse le temps d'une chanson pour commander. Je l'ai vu à partir d'ici. Et c'est parti. Pour Dans le désordre, donc la femme d'Hector, l'orage, putain de toi, le petit cheval, le pornographe. Voyons voir. Allez, on va faire la femme d'Hector. Est-ce qu'il est bon mon cadrage? Oui, ça dépend des moments. Ça dépend comment je suis assis, évidemment. Est-ce que vous allez bien? Envoyez-moi des petits likes, on est 11. Envoyez-moi des... J'en mets un de like. Voilà, je donne l'exemple. Je like la vidéo. Je m'auto-like. J'adore. J'adore le concept de l'auto-like. Allez, c'est parti pour la femme d'Hector. En notre tour de Babel, laquelle est la plus belle, la plus aimable parmi la femme de, les femmes de nos amis? Laquelle est notre vraie nounou, la petite sœur des pauvres de nous, dans le guignon toujours présente? Quelle est cette fée bienfaisante? C'est pas la femme de Bertrand, pas la femme de Gontran, pas la femme de Pamphile. C'est pas la femme de Firmin, pas la femme de Germain, ni celle de Benjamin. C'est pas la femme d'Honoré, ni celle de Désiré, ni celle de Théophile. Encore moins la femme de Nestor, non c'est la femme d'Hector. Comme nous dansons devant le buffet, bien souvent, on a toujours peu ou prou les bacris, blés de trou, qui raccommodent ses malheurs de filles de toutes les couleurs, qui brodent divines cousettes, plus arc-en-ciel à nos chaussettes. C'est pas la femme de Bertrand, pas la femme de Gontran, pas la femme de Pamphile. C'est pas la femme de Firmin, pas la femme de Germain, ni celle de Benjamin. C'est pas la femme d'Honoré, ni celle de Désiré, ni celle de Théophile. Encore moins la femme de Nestor, non c'est la femme d'Hector. Quand on nous prend la main, ça crée bon Dieu dans un sac, et qu'on nous envoie planter des choux à la santé. Quelle est celle qui, prenant modèle sur les vertus des chiens fidèles, reste à l'arrêt devant la porte en attendant qu'on en ressorte? C'est pas la femme de Bertrand, pas la femme de Gontran, pas la femme de Pamphile. C'est pas la femme de Firmin, pas la femme de Germain, ni celle de Benjamin. C'est pas la femme d'Honoré, ni celle de Désiré, ni celle de Théophile. Encore moins la femme de Nestor, non c'est la femme d'Hector. Et quand l'un d'entre nous meurt, qu'on nous mette en demeure de débarrasser l'autel de ses restes mortels. Quelle est celle qui remue tout Paris pour qu'on lui fasse au plus bas prix des funérailles gigantesques, pas nationales non mais presque? C'est pas la femme de Bertrand, pas la femme de Gontran, pas la femme de Pamphile. C'est pas la femme de Firmin, pas la femme de Germain, ni celle de Benjamin. C'est pas la femme d'Honoré, ni celle de Désiré, ni celle de Théophile. Encore moins la femme de Nestor, non c'est la femme d'Hector. Et quand vient le mois de mai, le joli temps d'aimer, que sans écho dans les cours, nous hurlons à l'amour, quelle est celle qui nous plaint beaucoup, quelle est celle qui nous saute au cou, qui nous dispense sa tendresse, toutes ses économies de caresses? C'est pas la femme de Bertrand, pas la femme de Gontran, pas la femme de Pamphile. C'est pas la femme de Firmin, pas la femme de Germain, ni celle de Benjamin. C'est pas la femme d'Honoré, ni celle de Désiré, ni celle de Théophile.
encore moins la fameuse Nestor, dont c'est la femme d'Hector. Ne jetons pas les morceaux de nos cœurs au pourceau. Perdons pas notre latin au profit des pantins. Chantons pas la langue des dieux pour les balours, les fesses Mathieu, les paltoquets ni les bobèches, les foutriquets ni les pimbèches, ni pour la femme de Bertrand, pour la femme de Gontran, pour la femme de Pamphile, ni pour la femme de Firmin, pour la femme de Germain, pour celle de Benjamin, ni pour la femme d'Honoré, la femme de Désiré, la femme de Théophile, encore moins pour la femme de Nestor, mais pour la femme d'Hector. Ok. Voyons, je bouge encore un petit poil mon cadrage. Voyons voir. On est mieux là, on est mieux. On est bien. On est bien. Alors, donc, ça y est, Mohamed a choisi Hécatombe. Ok, bah tiens, ça tombe bien. On va la faire tout de suite. Un grand like. Merci. Ah, Benoît. Benoît est de retour. Salut Benoît. Ok, donc je mets Hécatombe dans cette boucle. Saïd n'a pas redonné d'autres titres, donc tant pis. On ferme cette boucle-là, et puis je marque vue à partir de ma revue-là. Hop. Apparemment, Benoît et Mohamed se connaissent. Ok, on va partir sur, voyons voir, Hécatombe, putain de toi, le petit cheval, le pornographe. Eh ben tiens, Hécatombe, justement. Elle est courte, elle est sympa. Au marché de Brive-la-Gaillarde, à propos de bottes d'oignon, quelques douzaines de gaillardes se crêpaient un jour le chignon. À pied, à cheval, en voiture, les gendarmes mal inspirés vinrent pour tenter l'aventure d'interrompre les chauffourées. Or, sous tous les cieux sans vergogne, c'est un usage bien établi. Dès qu'il s'agit de rosser les cognes, tout le monde se réconcilie. Ces furies perdant toute mesure se ruèrent sur les guignols et donnèrent, je vous l'assure, un spectacle assez croquignol. En voyant ces braves pandores être à deux doigts de succomber, moi je bichais car je les adore. Sous la forme de Maccabée, de la mansarde où je réside, j'excitais les farouches bras des mégères gendarmicides en criant hip 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 hourra. Frénétique l'une de la tâche, le vieux maréchal des logis et lui fait crier mort aux vaches, mort aux lois, vive l'anarchie. Une autre fourre avec rudesse le crâne d'un de ses lourdeaux entre ses gigantesques fesses qu'elle serre comme un étau. La plus grasse de ses femelles, ouvrant son corsage dilaté, matraque à grands coups de mamelle ceux qui passent à sa portée. Il tombe, 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 et selon les avis compétents, il paraît que cette hécatombe fut la plus belle de tous les temps. Jugeant enfin que leur victime avait eu leur content d'oignons, ces furies comme outrage ultime, en retournant à leurs oignons, ces furies à peine si j'ose le dire tellement c'est bas, leur aurait même coupé les choses, par bonheur ils n'en avaient pas, leur aurait même coupé les choses, par bonheur ils n'en avaient pas. Ok. Alors, après Hécatombe, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Pas du tout, je monte juste lol. Bonsoir d'Allemagne, tac, tac, tac. Ah, Bévito, Bévito est de retour. La région parisienne, prima... Ah, Benoît. Ah, c'est toi, bien sûr, ok. Ok, ok, c'est toi, Benoît Burga, ou quelque chose comme ça. Ok, j'ai vu, tu as pris une place tout seul. Pour samedi, bah, écoute, pour l'instant, on est une vingtaine. Donc le week-end apparemment là beaucoup de Parisiens sont partis parce que bon c'est bien déjà, moi je suis content hein, si on est 20 sur 30 places c'est déjà super. Il y a peut-être encore quelqu'un qui va prendre une place demain ou après-demain, donc on ne sait pas. Et puis c'est un week-end apparemment où tout le monde se barre parce que je l'ai vu en constatant que les cours de tennis de la ville étaient libres jusqu'à il y a quelques jours. Voilà, il y a plein de cours qui étaient libres le dimanche et le lundi. Je me suis dit, bah dis donc, d'habitude c'est pas ça les week-ends, c'est impossible d'avoir un cours de tennis le week-end quoi. Allez, trêve de blabla,
On va enchaîner, voyons voir, voyons voir. Allez, allez, allez. Allez, on va faire l'orage pour mon Nico. Superbe chanson, l'orage. Ah, je savais bien que j'avais un problème de. Voilà. Je me disais, elle est bizarre cette sangle, elle est un peu serrée là, tu m'étonnes. Pas dispo, ben ouais, sa femme a accouché. Ben, quelle la bonne excuse. Ben, sa femme qui accouche, il ne peut pas venir me voir en concert. Bon, ben vraiment, les gens font pas d'efforts. Moi, je vois que ça. Hein. Je plaisante, bien sûr. Hop. Voyons voir. Est-ce que c'est mieux? Je ferai le regard après de savoir si c'est bien mon petit cadrage. Alors, c'est parti pour l'orage. Ah, ben oui, mais maintenant, elle me paraît trop courte, du coup, cette petite sangle-là. J'avais la sangle accrochée dans une mécanique, alors c'est un peu dangereux. J'ai peur de péter des mécaniques le jour où ça arrive, ça. Parlez-moi de la pluie et non pas du beau temps. Le beau temps me dégoûte et me fait grincer les dents. Le bel azur me met en rage, car le plus grand amour qui me fut donné sur terre, je le dois au mauvais temps, je le dois à Jupiter. Il me tomba d'un ciel d'orage, par un soir de novembre, à cheval sur les toits, un vrai tonnerre de Brest avec des cris de putois, allumer ses feux d'artifice, bondissant de sa couche. En costume de nuit, ma voisine affolée vint cogner à mon nuit en réclamant mes bons offices. Je suis seul et j'ai peur, ouvrez-moi par pitié. Mon époux vient de partir faire son dur métier. Pauvre malheureux mercenaire, contraint de coucher dehors quand il fait mauvais temps, pour la bonne raison qu'il est représentant d'une maison de paratonnerre. Quand Jupiter alla se faire entendre ailleurs, la belle ayant enfin conjuré sa frayeur et recouvré tout son courage, entra dans ses foyers faire sécher son mari en donnant rendez-vous les jours d'intempéries. Rendez-vous au prochain orage. À partir de ce jour, je n'ai plus baissé les yeux. J'ai consacré mon temps à contempler les cieux, à regarder passer les nuées, à guetter les stratus, à lorgner les nimbus, à faire les yeux doux au moindre cumulus. Mais elle n'est pas revenue. Son bonhomme de mari avait tant fait l'affaire, tant vendu ce soir-là de petits bouts de fer, qu'il était devenu millionnaire et l'avait emmené vers les cieux toujours bleus des pays imbéciles où jamais il ne pleut, où l'on ne sait rien du tonnerre. Mieux fasse que ma complainte aille tambour battant, parler de la pluie, lui parler du gros temps auquel on a tenu tête ensemble, lui conter qu'un certain coup de foudre assassin dans le mille de mon cœur allait c'est le dessein, une petite fleur qui lui ressemble. Voilà mon Nico, j'espère que j'ai pas oublié un couplet. À un moment donné, j'ai eu une petite. Petite ratasse, alors voyons voir. Et quatre, ça c'est fait, femme d'Hector machin, tac tac tac, on raye. Il nous reste dans cette petite boucle le petit cheval, le pornographe, putain de toi. Allez, on va partir sur le petit cheval. Il doit être content, mon cheval. L'orage en si bémol, c'est pas courant. Ben, c'est la version de l'album, Philippe.
Sur l'album, je crois, hein, je crois comme tu le sais, enfin je ne sais pas si tu le sais, je pense que oui, parce que tu connais bien Brassens et toutes les tonalités de plein de morceaux, puisque Philippe est contrebassiste. Et comme tu le sais, il y a beaucoup de chansons sur les disques où la tonalité est un demi-ton en dessous de la tonalité de jeu, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de chansons qui sont en la, qui sont en fait jouées en, qui sont entendu en la bémol, mais qui sont joués en la, et plein de morceaux pareils qui sont en do dièse sur le disque, mais qu'en fait, comme par exemple, je sais plus, j'ai peur, bah Marinette, je crois, Marinette, elle est en do dièse, alors qu'en fait, elle est jouée en ré, parce qu'en do dièse, c'est impossible, ça n'a pas de sens. Et Brassens, il s'emmerdait pas avec à mettre des parés partout. D'ailleurs, il y a une très rigolote anecdote sur ce truc-là. Bref, donc du coup, je joue l'orage, je crois, si je me souviens bien, dans la tonalité du disque. J'étais parti là-dessus, c'est la première chanson que j'ai apprise. J'étais parti là-dessus avec le capo 1 parce que c'était le plus simple du coup. Et puis je suis resté là-dessus parce que finalement, bon, bah, je l'ai dans les doigts déjà en fait en la mineur. Et pour le coup, elle serait pas tellement plus compliquée en si mineur. C'est vrai que voilà. Mais bah, écoute, je gardais le truc et je trouve que la tonalité aussi est plus agréable. J'aime bien quand c'est possible coller aux tonalités du disque parce que c'est la tonalité que j'ai dans l'oreille. Donc les viewers ont fait une super playlist, merci. Ah, on est 14, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Allez, c'est parti pour le petit cheval, putain de toi, le pornographe. Dans le désordre, ça sera le petit cheval, le pornographe et putain de toi, dans le bon ordre. Et ensuite, bah écoutez, le temps de ces trois chansons, je mets un petit vu ici encore pour marquer le coup. Vous pouvez commencer à commander des titres pour la vague numéro 4. Je crois que j'ai rien oublié dans les titres d'avant, donc c'est ça. Non, non, il nous reste trois titres pour se finir cette vague. Donc, envoyez du titre à partir du vu, je prendrai si c'est votre. Si une chanson par personne, évidemment, si vous avez déjà commandé avant, c'est bon, le compteur est remis à zéro à partir de maintenant. Allez, le petit cheval. Le petit cheval dans le mauvais temps, qui l'avait donc du courage. C'était un petit cheval blanc. Tous derrière, c'était un petit cheval blanc, tous derrière et lui devant. Il n'y avait jamais de beau temps dans ce pauvre paysage. Il n'y avait jamais de printemps, ni derrière, il n'y avait jamais de printemps, ni derrière ni devant. Mais toujours il était content, menant les gars du village, à travers la pluie noire des champs, tous derrière, à travers la pluie noire des champs, tous derrière et lui devant. Sa voiture allait poursuivant sa belle petite queue sauvage. C'est alors qu'il était content, tous derrière, c'est alors qu'il était content, tous derrière et lui devant. Mais un jour dans le mauvais temps, un jour qu'il était si sage, il est mort par un éclair blanc, tous derrière, il est mort par un éclair blanc, tous derrière et lui devant. Il est mort sans voir le beau temps, qu'il avait long du courage. Il est mort sans voir le printemps, ni derrière, il est mort sans voir le beau temps, ni derrière, ni devant. Ok, allez, le pornographe et putain de toi. Je propose Corne de Rock, super, je l'ai jamais joué encore en live celle-ci. Elle est pas facile non plus d'ailleurs, Corne de Rock, elle va très vite. Beaucoup de paroles, beaucoup de pièges. La Marguerite, ah, très bon choix.
Salut du Brésil, Brassens. Salut Bernardo. Eh bien écoute, tu peux commander un titre. Alors, il y a 14 personnes et c'est tout, j'ai que deux commandes pour la prochaine vague. Eh ben, et on fera que deux chansons, hein. On attendra la vague suivante. N'hésitez pas à commander vos titres pour la prochaine vague. On finit cette troisième vague avec Le pornographe et Putain de toi. Quand j'étais marmot, j'avais la phobie des gros mots. Et si je pensais merde tout bas, je ne le disais pas. Mais aujourd'hui que mon gagne-pain, c'est de parler comme un turlupin. Je ne pense plus merde pardi, mais je le dis. Je suis pornographe du phonographe, le polisson de la chanson. Afin d'amuser la galerie, je crache des gauloiseries, des pleines bouches de mots crus, tout à fait incongrus. Mais en me retrouvant seul sous mon toit, dans ma psyché, je me montre au doigt, écrit va te faire homme incorrect, voire parler grec. Je suis le pornographe du phonographe, le polisson de la chanson. Tous les samedis, je vais à confesse, m'accuser d'avoir parlé de fesses, et je promets ferme au marabout de les mettre tabou. Mais craignant, si je n'en parle plus, finir à l'armée du salut, je remets bientôt sur le tapis les fesses impies. Je suis le pornographe du phonographe, le polisson de la chanson. Ma femme est soit dite en passant, d'un naturel concupiscent, qui l'incite à se coucher nu, sous le premier venu. Mais m'est-il permis, soyons sincères, d'en parler au café-concert, sans dire qu'elle a suraigu le feu au cul. Je suis le pornographe du phonographe, le polisson de la chanson. J'aurais sans doute du bonheur et peut-être la croix d'honneur à chanter avec décorum l'amour qui mène à Rome. Mais mon ange m'a dit, turlututu, chanter l'amour t'est défendu s'il n'éclot pas sur le destin d'une putain. Je suis le pornographe du phonographe, le polisson de la chanson. Et quand j'entonne Guilleret, un patron de cabaret, une adorable bucolique, il est mélancolique et me dit la voix, noyée de pleurs, s'il vous plaît de chanter les fleurs, qu'elle pousse au moins rue Blondel, dans un bordel. Je suis le pornographe du phonographe, le polisson de la chanson. Chaque soir avant le dîner, à mon balcon mettant le nez, je contemple les bonnes gens dans le soleil couchant. Mais me demandez pas de chanter ça si vous redoutez d'entendre ici que j'aime avoir de mon balcon passer les cons. Je suis le pornographe du phonographe, le polisson de la chanson. Les bonnes âmes d'ici-bas, qu'on te ferme qu'à mon trépas, Satan va venir embrocher ce mort mal embouché. Mais veuille le grand Manitou, pour qui le mot n'est rien du tout, admettre en sa Jérusalem, à leur blême. Le pornographe du phonographe, le polisson de la chanson. Ok, allez, on finit cette petite session avec Putain de toi. Et n'hésitez pas, alors, Toutov, t'es parti où? Il est parti ou quoi? On est 16, on est plus nombreux, et j'ai moins de commandes. Eh ben, écoutez, on avance. Donc, le temps de cette chanson. Ah, le grand porc, bien sûr que c'est possible. Bien sûr, Benoît, le grand porc, ça fera plaisir en plus à Philippe. Donc, on y va sur Putain de toi. Et ensuite, je noterai la vague numéro 4. Allez, là c'est dommage que je sois tout seul, parce que Putain de toi, c'est une chanson qui se chante en groupe. D'habitude, il y a toute la salle. Ah, putain de toi. Donc,
Je veux vous entendre chanter de chez vous. Hein. si c'était possible, ça serait pas mal. Hein. Écoutez, peut-être que dans le futur, on pourra faire des concerts virtuels comme ça, vraiment. Où non seulement vous me verrez mieux, avec zéro décalage, etc., etc. Et en plus, peut-être où je pourrais vous entendre aussi, pourquoi pas. Ça serait génial. Hein. Ça serait pas mal. Allez. Putain de toi. En ce temps-là, je vivais dans la lune, les bonheurs d'ici-bas m'étaient tous défendus. Je semais des violettes et chantais pour des prunes et tendais la patte au chat perdu. Ah, 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 putain de toi. Ah, 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 pauvre de moi. Un soir de pluie, flacon gratte à ma porte, je m'empresse l'ouvrir. Sans doute un nouveau chat, nom de Dieu le beau félin, que l'orage m'apporte, c'était toi, c'était toi, c'était toi. Ah, 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 putain de toi. Ah, 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 pauvre de moi. Les yeux fendus et couleur de pistache, t'as posé sur mon cœur ta patte de velours. Fort heureusement pour moi, t'avais pas de moustache et ta vertu ne pesait pas trop lourd. Ah, 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 putain de toi. Ah, 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 pauvre de moi. Aux quatre coins de ma vie de bohème, tu as promené le feu de tes 20 ans. Et pour moi, pour mes chats, pour mes fleurs, mes poèmes, c'était toi, la pluie et le beau temps. Ah, 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 putain de toi. Ah, 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 pauvre de moi. Mais le temps passe et fauche à l'aveuglette, notre amour mûrissait. T'as peine que déjà tu brûlais mes chansons, crachées sur mes violettes et faisais des misères à mes chats. Ah, 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 putain de toi. Ah, 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 pauvre de moi. Le comble enfin, misérable salope, comme il ne restait plus rien dans le garde-manger, t'as couru sans vergogne et pour une escalope te jeter dans le lit du boucher. Ah, 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 putain de toi. Ah, 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 pauvre de moi. C'était fini, t'avais passé les bornes et renonçant aux amours frivoles d'ici-bas, je remontais dans la lune en emportant mes cornes, mes chansons et mes fleurs et mes chats. Ah, 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 putain de toi. Ah, ah, pauvre de moi. Ok, allez, on note la session suivante. C'est parti. Voyons voir depuis le vu. Bon, Muriel n'est plus là. Tant pis pour elle. Elle aurait pu commander une nouvelle chanson. Et oui, c'est bien comme ça. Comme ça, je prends forcément les chansons avec mon nouveau système. Enfin, avec le système qui s'est installé. Je prends forcément les chansons des gens qui sont là. Alors, c'est parti. Corne de rock. Pour Sylvia. Corne au rock. Ok. Ensuite, la marguerite. Ouais, super. La marguerite. Tac, tac, tac. Me lancer. Alors, quand je vous vois jouer du Brassens, ça me donne... Ah bah super, super, il faut s'y mettre. Hein. C'est pas... Il y a des chansons difficiles, il y en a des moins difficiles. Donc, il y a un peu de tout. Hein. C'est open. Je voudrais le grand pan, donc OK. Le GP. Et puis... Les sabots d'Hélène. Ah, Bernardo, super. Les sabots, je note. Ok, top, merci Benoît. Je suis arrivé à la bourre, je suis dégoûté. Bah non, mais t'as commandé une chanson là, Benoît, non? On en est où? Attends. Je crois que c'est bon. Non, mais oui, le grand-père, c'est ça, ouais. On est bon, tac, tac, tac. Je suis dégoûté. Bah, tu seras à l'heure. Tu seras à l'heure samedi soir, j'espère. Parce que là... Ça a bardé. Les funérailles pour Catherine. Ok.
Sacré morceau que les funérailles aussi. Le cocu. Ah ah, Camoulox. Ok, le cocu, c'est un peu la bête noire, pour moi en tout cas. L'ancêtre. Alors non, attends, Benoît, attends, pour la prochaine. Attends pour la prochaine session, parce que là, tu as déjà commandé le grand pan. Donc je ne tiens pas compte de l'ancêtre. Tu le renoteras tout à l'heure pour la prochaine vague. Si prochaine vague il y a, ouais, ça va être compliqué là. On va voir. On va essayer de finir pas trop tard. Mais bon, s'il y a encore du monde, je vais dépasser un petit peu, mais je ne veux pas finir. Le testament pour Bevito, ok. Eh oui, t'as raté le début. Bah écoute, tu pourras voir le début. Ok, allez, c'est parti. Je ferme la vague numéro 4 ou 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a 7 titres à faire, c'est bon. On est parti pour un 20-30 minutes. Voyons, dans quelle ordre on va faire ça? Corne de Rock, la Marguerite, le Grand Pan, les Sabots d'Hélène, le Cocu, hein, le Cocu... Allez. Ah non, je vais faire un petit Corne de Rock d'abord. Allez, avant le Cocu. Le parapluie pour Kenny. Ah ben voilà, Kenny se réveille. Monono, ben je suis au volant, bah ben oui, d'accord. Arnaud is back. Super, bah écoute, tu peux mettre le son, hein, tu mets le son, et puis voilà, on est parti pour, je vous annonce la petite playlist, donc je note le parapluie qui arrive in extremis. Si t'es au volant, n'écris pas, ah, le boulevard du temps qui passe, ah bah Arnaud quand même, je suis obligé. Ok, allez, boulevard du temps qui passe, bon bah c'est parti, là, on est parti pour 9 chansons, voyons voir, dans quel ordre. Donc, je vous dis les 9 chansons à venir, dans le désordre, Corne de Rock, La Marguerite, Le Grand Pan, Les Sabots d'Hélène, Les Funérailles d'Antan, Le Cocu, Le Testament, Le Parapluie et Le Boulevard du Temps qui passe. On va partir sur... Eh ben tiens, allez, c'est Arnaud qui remporte le pompon. Je te fais Le Boulevard du Temps qui passe pour démarrer là-dessus, comme elle n'est pas trop violente. À peine sortis du berceau, nous sommes allés faire un saut au boulevard du temps qui passe. En scandant notre ça ira contre les vieux, les mous, les gras, confinés dans leurs idées basses. On nous a vus, c'était hier, qui descendions jeunes et fiers dans une folle sarabande. En allumant des feux de joie, en alarmant les gros bourgeois, en piétinant leurs plats de bande, jurant de tout remettre à neuf, de refaire 89, de reprendre un peu la Bastille. Nous avons embrassé Goulue, leurs femmes qu'ils ne touchaient plus, nous avons fécondé leurs filles. Dans la mare de leur canard, nous avons lancé goguenard, force pavée, quelle tempête. Nous n'avons rien laissé debout, flanquant leur credo, leur tabou, et leur dieu cul par-dessus tête. Quand sonna le cessez-le-feu, l'un de nous perdait ses cheveux, et l'autre avait les tempes grises. Nous avons constaté soudain que l'été de la Saint-Martin n'est pas loin du temps des cerises. Alors, ralentissant le pas, on fit la route à la papa, car braillant contre les ancêtres, la troupe fraîche des cadets au carrefour nous attendait pour nous envoyer à Bicêtre. Ces gâteux, ces avachis, ces pauvres sépulcres blanchis, chancelant dans leur carapace. On les a vus, c'était hier, qui descendaient jeunes et fiers, le boulevard du temps qui passe. Magnifique chanson, le boulevard du temps qui passe. Très bon choix, Arnaud. Alors, ensuite, voyons, on part sur quoi? On a le capot en place, alors qu'est-ce qu'on fait avec le capot en place? On n'a qu'à faire un petit sabot d'Hélène. Allez, un petit sabot d'Hélène. C'est parti.
Les sabots d'Hélène étaient tout crottés. Les trois capitaines l'auraient appelée vilaine. Et la pauvre Hélène était comme une âme en peine. Ne cherche plus longtemps de fontaine, toi qui as besoin d'eau. Ne cherche plus, ô lame d'Hélène, va t'en remplir ton seau. Moi j'ai pris la peine de les déchausser, les sabots d'Hélène, moi qui ne suis pas capitaine. Et j'ai vu ma peine bien récompensée dans les sabots de la pauvre Hélène, dans ses sabots crottés. Moi j'ai trouvé les pieds d'une reine et je les ai gardés. Son jupon de laine était tout mité. Les trois capitaines l'auraient appelée vilaine. Et la pauvre Hélène était comme une âme en peine. Ne cherche plus longtemps de fontaine, toi qui as besoin d'eau. Ne cherche plus, ô lame d'Hélène, va t'en remplir ton seau. Moi j'ai pris la peine de le retrousser, le jupon d'Hélène, moi qui ne suis pas capitaine. Et j'ai vu ma peine bien récompensée sous le jupon de la pauvre Hélène, sous son jupon mité. Moi j'ai trouvé des jambes de reine et je les ai gardées. Et le cœur d'Hélène savait pas chanter. Les trois capitaines l'auraient appelée vilaine. Et la pauvre Hélène était comme une âme en peine. Ne cherche plus longtemps de fontaine, toi qui as besoin d'eau. Ne cherche plus, ô lame d'Hélène, va t'en remplir ton seau. Moi j'ai pris la peine de m'y arrêter dans le cœur d'Hélène, moi qui ne suis pas capitaine. Et j'ai vu ma peine bien récompensée, et dans le cœur de la pauvre Hélène qui avait jamais chanté. Moi j'ai trouvé l'amour d'une reine et moi je l'ai gardé. Ok, allez, pas de blabla, on enchaîne tout de suite sur les funérailles d'antan. Tac, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Les funérailles d'antan, bien sûr, superbe chanson. Un gros piège, allez, on est 19. Nous partîmes deux en début de ce live. Nous vîmes 19 en arrivant à la moitié. La grosse moitié, parce que j'avais dit 9h, 9h30. Bon, là on est déjà parti sur du 9h30. Je pense que si on est encore plein, je vais continuer un peu, mais je ne ferai pas plus de 2h parce que après ça, voilà, ça chauffe un peu. Qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit les funérailles. Allez, c'est parti pour les funérailles d'antan. Et ensuite, on aura dans la boucle la marguerite, corne de roc, le grand pan, le cocu, le testament. Je ne sais pas encore dans quel ordre on va faire tout ça et le parapluie. Jadis, les parents des morts vous mettaient dans le bain. De bonne grâce, ils en faisaient profiter les copains. Y'a un mort à la maison si le cœur vous en dit. Venez pleurer avec nous sur le coup de midi. Mais les vivants aujourd'hui ne sont plus si généreux. Quand ils possèdent un mort, ils le gardent pour eux. C'est la raison pour laquelle depuis quelques années, des tas d'enterrements passent sous le nez. Des tas d'enterrements vous passent sous le nez. Mais où sont les funérailles d'antan? Les petits corbillards, 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 corbillards de nos grands-pères qui suivaient la route tant qu'à autant.
petit Maccabée, 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 ronds et prospère, quand les héritiers étaient contents. Aux fossoyeurs, aux croque-morts, aux curés, aux chevaux, même ils payaient un verre. Elles sont révolues, elles ont fait leur temps. Les belles pompes funèbres, on ne les reverra plus, et c'est bien attristant. Les belles pompes funèbres de nos 20 ans. Maintenant les corbillards à tombeau grand ouvert emportent les trépassés jusqu'au diable Vauvert. Les malheureux n'ont même plus le plaisir enfantin voir leurs héritiers marrons marcher dans le crottin. L'autre semaine des salauds à 140 à l'heure vers un cimetière minable emportait un des leurs. Quand sur un arbre en bois dur ils se sont aplatis, on s'aperçut que le mort avait fait des petits. On s'aperçut que le mort avait fait des petits. Mais où sont les funérailles d'antan? Les petits corbillards, 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 corbillards de nos grands-pères qui suivaient la route en cas autant. Les petits Maccabées, 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 Maccabées ronds et prospères quand les héritiers étaient contents. Aux fossoyeurs, aux croque-morts, aux curés, aux chevaux, mais mille payaient un verre. Elles sont révolues, elles ont fait leur temps. Les belles pompes funèbres, on ne les reverra plus, et c'est bien attristant. Les belles pompes funèbres de nos 20 ans. Plutôt que d'avoir des obsèques manquant de fioritures, j'aimerais mieux tout qu'on te fait me passer de sépulture. J'aimerais bien mourir dans l'eau, dans le feu, n'importe où. Et même à la grande rigueur, ne pas mourir du tout. À que renaisse le temps des morts bouffis d'orgueil, l'époque des m'as-tu vu dans mon joli cercueil, ou qui t'a tout dépensé jusqu'au dernier écu. Les gens avaient à cœur de mourir plus haut que leur cul. Les gens avaient à cœur de mourir plus haut que leur cul. Mais où sont les funérailles d'antan? Les petits corbillards, 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 corbillards de nos grands-pères qui suivaient la route en capotant. Les petits Maccabées, 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 Maccabées ronds et prospères quand les héritiers étaient contents. Aux fossoyeurs, aux croque-morts, aux curés, aux chevaux, même ils payaient un verre. Elles sont révolues, elles ont fait leur temps. Les belles pompes funèbres, on ne les reverra plus, et c'est bien attristant. Les belles pompes funèbres de nos 20 ans. Super, c'était pour Catherine, je crois, les funérailles. Super chanson. Zéro plantage sur celle-là. Alors là, c'est assez rare. Elle est tellement complexe, celle-là. On me demandait la dernière fois quelles sont les chansons les plus dures. Les funérailles d'antan, elle est vraiment pas facile à exécuter, les accords et tout. Les paroles aussi, ça débite beaucoup. Voyons voir. Tiens, puisqu'on a le capot 1, on va faire la marguerite. La marguerite pour mon petit choual. Rendez-vous le 13. Philippe. Voilà, pour ceux qui ne sont pas au courant, je suis en concert samedi soir. C'est pour ça que je fais le live en plein milieu de semaine, parce que voilà, jusque-là, je faisais des petits lives le dimanche. Je trouve que le dimanche, c'était pas mal comme jour. Ça marchait bien, c'était un peu le côté décontract du dimanche. Voilà, peut-être l'horaire à revoir, mais voilà, on fera un peu plus tard. Mais là, je fais ça ce jeudi, parce que bah, samedi, je serai en concert. J'avais l'intention de diffuser le concert en live, et en fait, je me suis dit, ça spoil un peu la soirée pour ceux qui viendront le samedi d'après. Donc, je ferai le concert en live le samedi 13 avril. Je me filmerai en direct. Celui de samedi soir, je le garderai pour moi. Beau début de parole, les accords. Bah ouais, t'as vu ça un peu. Ouais, ouais. Dans les funérailles d'antan, elle fait partie des plus difficiles. Et c'est bien passé. Allez, la marguerite. La petite Marguerite est tombée, singulière du bréviaire de l'abbé. Trois pétales de scandale sur l'autel,
Indiscrète pâquerette, d'où vient-elle? Trois pétales de scandale sur l'autel. Indiscrète pâquerette, d'où vient-elle? Dans l'enceinte sacro-sainte, qu'elle et moi. Quelle affaire, oui, ma chère, croyez-moi. La frivole fleur qui vole arrivant, contrebande des plates-bandes du couvent. La frivole fleur qui vole arrivant, contrebande des plates-bandes du couvent. Notre père qui, j'espère, est aux cieux, n'ayez cure des murmures malicieux. La légère fleur peu chère ne vient pas de nonnettes, de cornettes en sabbat. La légère fleur peu chère ne vient pas de nonnettes, de cornettes en sabbat. Sachez diantre qu'un jour entre deux avait sur la pierre d'un calvaire il l'a trouvé. Et la mise chose admise par le ciel, sans embâge dans les pages du missel. Et la mise chose admise par le ciel, sans embâge dans les pages du missel. Que ces messes basses cessent, je vous prie. Non, le prêtre n'est pas traître à Marie. Que personne ne soupçonne plus jamais la petite Marguerite à sa mère. Que personne ne soupçonne plus jamais la petite Marguerite à sa mère. Ok. Pas facile celle-là non plus, elle est très piégeuse. Et en plus, tu travaillais relativement récemment. Donc il y a eu plein de plantages dans les accords. Philippe, ne te base pas sur cette version-là pour retrouver les accords. Parce que là, c'était pas la meilleure. Je suis fan de Brassens alors que je n'ai que 15 ans. Ben, c'est super! BS Vortex. Génial. Ça, voilà, il faut renouveler il faut renouveler le public de Brassens. C'est vrai que c'est pas évident. Mon grand-père. Ah bah oui, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bah tiens, le grand-père, le grand-pan. Allez hop. C'est parti pour le grand-pan. Du temps que régnait le grand-pan, les dieux protégeaient les ivrognes. Un tas de génies. Petit plantage sur les accords. Mes grands-parents également. Ben moi, c'était mes parents. Et oui, moi, je suis encore un vieux. On est toujours nostalgique de ce qu'on n'a pas connu. Les époques. Allez, le grand-pan. Tant que régnait le grand pan, les dieux protégeaient les ivrognes, un tas de génies titubants, au nez rouge la rouge trogne. Dès qu'un homme vidait les cruchons, qu'un sac à vin faisait carousse, il venait en bande à ses trousses compter les bouchons. La plus humble piquette était alors bénie, distillée par Noé, Silène et compagnie. Le vin donnait un lustre au pire des minus, et le moindre pochard avait tout de Bacchus. Mais se touchant le crâne, en criant, j'ai trouvé la bande au professeur. Un bus est arrivé qui s'est mis à frapper les cieux d'alignement, chasser les dieux du firmament. Aujourd'hui, ça et là, les gens boivent encore, et le feu du nectar fait toujours luire les trognes, mais les dieux ne répondent plus pour les ivrognes. Bacchus est alcoolique, et le grand pan est mort. Quand deux imbéciles heureux s'amusaient à des bagatelles, un tas de génies amoureux venaient leur tenir la chandelle. Du fin fond des Champs-Élysées, dès qu'ils entendaient un je t'aime, ils accouraient à l'instant même compter les baisers. La plus humble amourette était alors bénie, sacrée par Aphrodite, Eros et compagnie. L'amour donnait un lustre au pire des minus, et
et la moindre amoureuse avait tout de Vénus. Mais se touchant le crâne, en criant, j'ai trouvé la bande au professeur. Nimbus est arrivé et s'est mis à frapper les cieux d'alignement, chasser les dieux du firmament. Aujourd'hui, ça et là, les cœurs battent encore, et la règle du jeu de l'amour est la même. Mais les dieux ne répondent plus de ceux qui s'aiment. Vénus est faite femme, et le grand Pan est mort. Et quand fatal sonnait l'heure de prendre un linceul pour costume, un tas de génies l'œil en pleurs vous offrait les honneurs posthumes. Aller au céleste empire, dans leur barque ils venaient vous prendre, c'était presque un plaisir de rendre le dernier soupir. La plus humble dépouille était alors bénie, embarquée par Caron, Pluton et compagnie. Au pire des minus, l'âme était accordée, et le moindre mortel avait l'éternité. Mais se touchant le crâne, en criant, j'ai trouvé la bande au professeur. Nimbus est arrivé, qui s'est mis à frapper les cieux d'alignement, chasser les dieux du firmament. Aujourd'hui, ça et là, les gens passent encore, et la règle du jeu de l'amour. Non. Aujourd'hui, ça et là, les gens passent encore, mais la tombe est hélas la dernière demeure, et les dieux ne répondent plus de ceux qui meurent. La mort est naturelle, et le grand Pan est mort, et l'un des derniers dieux, l'un des derniers suprêmes, ne doit plus se sentir tellement bien lui-même. Un beau jour, on va voir le Christ descendre du calvaire en disant dans sa lippe: merde, je ne joue plus pour tous ces pauvres types. J'ai bien peur que la fin du monde soit bien triste. Quel dommage, il n'y avait pas eu de plantage jusqu'à ce petit bug de parole. Alors, le grand Pan, c'est fait, la Marguerite, c'est fait, voyons voir. Il reste le testament, corne de roc, le cocu, le parapluie. Allez, tiens, puisqu'on est en capot 2, on va faire le testament. J'adore le concept. Eh bien, écoute, super, moi aussi. J'adore le concept, pas simple, le grand Pan. Ouais, ça va. Ça passe, c'est pas la plus difficile, contrairement à... Elle est pas facile, certes, parce que... elle est assez longue et puis assez complexe, mais elle n'est pas très rapide. Donc ça permet, voilà, ça laisse le temps de voir venir. Et puis les paroles s'enchaînent assez bien. Il y a un peu de piège, mais le grand chêne. Alors zéro non trivial. Oui, tu arrives un petit peu tard pour les commandes, parce que là, je suis en train de finir la playlist. On va voir si on a le temps de faire le grand chêne. La complainte des fils de joie, Bernardo, elle a été faite en début de live, donc tu pourras revenir au début. Incroyable, je m'abonne. T'as bien raison. Abonne-toi et viens me voir en concert aussi. Regarde sur mon site, je joue en concert à Paris. Donc Antoine Chante-Brassens, vous tapez ça sur Google et vous tombez sur mon site. Ok, la semaine prochaine je serai là. Avec plaisir, super. Je sais pas quand est-ce que je le ferai la semaine prochaine. Peut-être en milieu de semaine. De toute façon, il n'y a pas de règle pour l'instant. Je peux en faire deux par semaine. Voilà, je suis à la maison, je mets trois spots et puis ça marche. Et puis, vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Donc, tout le monde est content. Même si on n'est que 5 ou 10, c'est très bien. Allez, c'est parti pour le testament. Le testament, elle est vraiment pas facile, celle-là. Ça, c'est une chanson que j'ai depuis plusieurs années. Et pourtant, elle est encore très, très, très planteuse. Très planteuse comme chanson. Je serai triste comme un saule quand le Dieu qui partout me suit me dira la main sur l'épaule: va-t'en voir là-haut si j'y suis. Alors du ciel et de la terre il me faudra faire mon deuil. Est-il encore debout le chêne
sous le sapin de mon cercueil. Est-il encore debout le chêne ou le sapin de mon cercueil? S'il faut aller au cimetière, je prendrai le chemin le plus long. Je ferai la tombe buissonnière, je quitterai la vie à reculons. Tant pis si les croque-morts me grondent, tant pis s'ils me croient foualier. Je veux partir pour l'autre monde, par le chemin des écoliers. Je veux partir pour l'autre monde, par le chemin des écoliers. Avant d'aller compter fleurettes aux belles âmes des damnés, je rêve d'encore une amourette, je rêve d'encore m'en juponner. Encore une fois dire je t'aime, encore une fois perdre le nord. En effeuillant le chrysanthème qui est la marguerite des morts. En effeuillant le chrysanthème qui est la marguerite des morts. Dieu veuille que ma veuve s'alarme en enterrant son compagnon. Et pour lui faire verser des larmes, il n'y ait pas besoin d'oignons. Qu'elle prenne en seconde noce un époux de mon acabit. Il pourra profiter de mes bottes et de mes pantoufles et de mes habits. Il pourra profiter de mes bottes et de mes pantoufles et de mes habits. Qu'il boive mon vin, qu'il aime ma femme, qu'il fume ma pipe et mon tabac. Mais que jamais morde mon âme, jamais il ne fouette mes chats. Quoique je n'ai pas un atome, une ombre de méchanceté. S'il fouette mes chats, y a un fantôme qui viendra le persécuter. S'il fouette mes chats, y a un fantôme qui viendra le persécuter. Ici j'y tue une feuille morte, ici finit mon testament. On a marqué dessus ma porte, fermée pour cause d'enterrement. J'ai quitté la vie sans rancune, j'aurai plus jamais mal aux dents. Me v'là dans la fosse commune du temps. Me v'là dans la fosse commune du temps. Voilà pour le testament, sans plantage, super. Oui, oui. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le cocu, le parapluie, corne de roc. Voyons voir. Allez, on va partir sur le cocu. Alors le cocu, le cocu, il m'arrive de devoir faire une pause en plein milieu, parce que faire des barrés tout le long en pince comme ça, c'est assez éprouvant pour moi, parce que je suis pas un vrai guitariste en fait. Avec plaisir. Merci Camoulox. Et merci à toi, visiteur. C'était pour toi le testament, je ne sais plus, j'ai pas noté, je prends pas le temps de noter les pseudos en plus, parce que j'essaie de pas passer trop de temps à dire des trucs et à noter des choses. Place à la musique. Donc on a dit le cocu. Alors le cocu, il y aura peut-être une pause au milieu, si j'ai plus de bras, je vais essayer de la finir quand même, parce que c'est le petit défi, mais... Allez, c'est parti pour le cocu. Très superbe chanson d'ailleurs. Sacrifie à sa vieille habitude de faire à tout venant les honneurs de
gousses de trou dans ma lune de miel. Ma bien aimée demain, vite plus à la fête, quand elle va faire un tour jusqu'au septième ciel. Quand elle va faire un tour jusqu'au septième ciel. Au péril de mon cœur, la malheureuse école de pacte conjugal et me le dépressive. Que je ne sache plus où donner de la corde semble bien être le carré de ses soucis. Semble bien être le carré de ses soucis. Les galants de tout poil viennent boire en mon verre. Je suis la providence des efforts du fleur. On cueille dans mon dos la tendre prime verte qui tenait le dessus de mon panier de fleurs. À la ligne, je le surprends tout nu dans leur débordement. Conseillez-leur le pas de la feuille de vigne, ils s'y refuseront avec entêtement. Ils s'y refuseront avec entêtement. Souillez mon lit nuptial, est-ce que ça les empêche de garder les dehors de la civilité? Qu'on me demande moins si j'ai fait bonne pêche, qu'on daigne s'enquérir enfin de ma santé. Qu'on daigne s'enquérir enfin de ma santé. De grâce un minimum d'attention délicate pour ce pauvre mari qu'on couvre de safran. Le cocu d'ordinaire, on le choix, on le gâte. On est enfin le compte un peu de ses parents. On est enfin le compte un peu de ses parents. À l'heure du repas, mes rivaux détestables ont encore se trouvé de l'or de ma portion. Ça leur ferait pas peur de s'asseoir à ma table. Cocu t'en voudra, mais pas amphitryon. Cocu t'en voudra, mais pas amphitryon. Partager sa moitié, est-ce que cela comporte que l'on partage aussi la chair et la boisson? Je suis presque obligé de les mettre à la porte, et bien content s'ils n'emportent pas mes boissons. Et bien content s'ils n'emportent pas mes poissons. Bien content qu'en partant, ces mufles ne s'égarent pas à mettre le monde à leur ignominie. En sifflotant, il est cocu le chef de gare, parce que le chef de gare, c'est mon meilleur ami. Parce que le chef de gare, c'est mon meilleur ami. Ok, j'ai tenu jusqu'au bout. J'ai plus de bras, mais j'ai tenu jusqu'au bout. C'est bon. Ça fait les muscles. Ben, c'est comme ça que le métier rentre. Écoutez, c'est-à-dire que là... Allez, on est sur les dernières chansons. Qu'est-ce qu'il nous reste? Corne de rock. Et le parapluie. Voilà, on va finir là-dessus du coup, parce que j'avais dit 9h30. Il est déjà 9h30 passé, donc on va faire les deux dernières chansons. Et puis voilà, je pense que ça sera bien pour tout le monde. À moins que quelqu'un me propose le super titre que j'avais justement envie de jouer ce soir. Essayez, proposez éventuellement des titres, mais pour l'instant, je reste sur deux chansons. S'il y en a dans le lot, une qui me plaît beaucoup. Oh là là. On rajoutera peut-être 2-3 minutes, parce que le parapluie, corne de rock, ça va, elles sont pas trop longues. On part pas sur la supplique. Le fantôme pour Camoulox, allez, pourquoi pas. Ouais, c'est pas... Je l'ai joué la dernière fois, donc c'est pas préféré. S'il y a que ça, pourquoi pas, ça sera le rappel. Allez, on part sur le parapluie comme de rock. Il pleuvait fort sur la grande route, elle cheminait sans parapluie. J'en avais un volé sans doute le matin même à un ami. Courant alors à sa rescousse, je lui propose un peu d'abri. En séchant l'eau de sa frimousse, d'un air très doux, elle m'a dit oui. Un petit coin de parapluie contre un coin de paradis, elle avait quelque chose d'un ange.
un petit coin de paradis contre un coin de parapluie. Je ne perdais pas au change, pardi. Chemin faisant, que ce fut tendre d'ouïr à deux le chant joli que l'eau du ciel faisait entendre sur le toit de mon parapluie. J'aurais voulu, comme au déluge, voir sans arrêt tomber la pluie pour la garder sous mon refuge. 40 jours, 40 nuits. Un petit coin de parapluie contre un coin de paradis. Elle avait quelque chose d'un ange. Un petit coin de paradis contre un coin de parapluie. Je ne perdais pas au change, pardi. Mais bêtement, même en orage, les routes vont vers des pays. Bientôt le sien fit un barrage à l'horizon de ma folie. Il a fallu qu'elle me quitte après m'avoir dit grand merci. Et je l'ai vue toute petite partir gaiement vers mon oubli. Un petit coin de parapluie contre un coin de paradis. Elle avait quelque chose d'un ange. Un petit coin de paradis contre un coin de parapluie. Je ne perdais pas au change, pardi. Ok, alors on va terminer par Chrono de Rock et ensuite le petit rappel. Envoyez des titres Pénélope, pourquoi pas, ouais. Envoyez des titres si vous êtes encore là. Vous êtes 17, donc il y a encore un petit peu des gens qui écoutent. Envoyez des titres et je piocherai dedans pour le rappel. Voilà, on finit sur Corne de Rock, qui étaient les demandes de la quatrième ou cinquième vague. Et puis, je vous donne rendez-vous pour le prochain live, voilà, dans les jours qui viennent. Je pense la semaine prochaine, milieu de semaine peut-être. Pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a un groupe WhatsApp sur mon site. Vous trouvez l'adresse d'un groupe WhatsApp où je mets les annonces pour YouTube. Donc, vous pouvez soit être abonné à ma chaîne et recevoir les notifs, ça sera en même temps, grosso modo, quand je fais... Je mets l'annonce sur YouTube et tout de suite après, je la balance sur WhatsApp. Donc, grosso modo, c'est simultané. Si vous avez une préférence, si vous voulez être sûr de ne pas louper le live, vous mettez les deux. Mais voilà, pour être au courant des prochains lives, je les annonce en général, hein, 2 ou 3 jours à l'avance, selon... Bah, c'est l'avantage de ces petits trucs-là, c'est que je le décide un peu au dernier moment et puis ça la coule, quoi. Donc, alors, on est encore là. Alors, il n'y a pas de proposition pour le rappel. S'il n'y a pas plus de propositions, je choisirai entre le fantôme et Pénélope. Pour le rappel, ah, j'ai rendez-vous avec vous. Oui, pourquoi pas, pourquoi pas. Tu avais demandé le grand chêne aussi tout à l'heure. Vous pouvez en proposer plusieurs, je choisirai, je piocherai dedans. Voilà, je piocherai dedans. N'importe qui peut balancer un titre. Je ferai une petite pioche avec mon morceau, le morceau que j'ai envie de jouer à ce moment-là, qui ne sera pas forcément mon préféré, mais qui sera aussi le moins fatigant sur le bras. Ça y est, j'ai pu me reposer sur le parapluie. Allez, Corne de Rock pour Catherine, je crois. Ou non, pour Sylvia. Sylvia, qui t'es encore là, j'espère que t'es encore là, Sylvia, parce que là, tu m'as demandé Corne de Rock, en fait, en arrivant tout à l'heure, là, si je me souviens bien. Oui, c'est ça. Il y a une demi-heure, hein, en tout début de... les oiseaux sauvages, ce sont les oiseaux de passage dont tu parles, Benoît. Le mouton de Panurge. Le mouton de Panurge. Oui, pourquoi pas aussi. Ok, on va voir. Je ferai le point à la fin. Je ferai le point à la fin sur mon titre préféré qui sera joué en rappel. Allez, Corne de Rock. On est encore en là. On est encore sur le même rythme. Bon, il y en a beaucoup des rythmes comme ça chez Brassens. Alors, des chansons en là qui démarrent comme ça. S'appelait Durand. Ogé, ogé, il avait nom Corne de Rock. Ogé, ogé, tout le monde peut pas s'appeler Durand. Ogé, ogé, en le regardant avec un œil de
poète, on aurait pu croire à son frontal de prophète, qu'il avait les grandes eaux de Versailles dans la tête, corne d'Europe, et que le bon Dieu lui pardonne. Roguet, roguet, c'était celle du robinet. Roguet, roguet, mais que le bon Dieu lui pardonne. Roguet, roguet, c'était celle du robinet. Roguet, roguet. Il proclamait à son de trompe à tous les carrefours. Il n'y a que les imbéciles qui sachent bien faire l'amour. La virtuosité, c'est une affaire de balou. Corne de roc, il potassait à la chandelle. Roguet, roguet, des traités de maintien sexuel. Roguet, roguet, et sur les femmes nues des musées. Roguet, roguet, faisait le brouillon de ses baisers. Roguet, roguet. Petit à petit, roguet, roguet, on a tout su de lui. Roguet, roguet, on a su qu'il était enfant de la patrie, qu'il était incapable de risquer sa vie pour cueillir un myosotis à une fille. Corne d'Europe, qu'il avait un petit cousin. Roguet, roguet, au placé chez les arbousins. Roguet, roguet, et que les jours de pénurie. Roguet, roguet, il prenait ses repas chez lui. Roguet, roguet. C'est même en revenant chez cet antipathique qu'il tomba victime d'une indigestion critique et retombe. Et refusa le secours de la thérapeutique. Corne d'Europe, parce que c'était un Allemand. Roguet, roguet, qu'on devait le médicament. Roguet, roguet, parce que c'était un Allemand. Roguet, roguet, qu'on devait le médicament. Roguet, roguet, il rendit comme il put son âme machinale, et sa vie n'ayant pas été originale, l'État lui fit les funérailles nationales. Corne d'Europe, à la femme en gémissant. Roguet, roguet, coucha avec son remplaçant. Roguet, roguet, alors sa veuve en gémissant. Roguet, roguet, coucha avec son remplaçant. Roguet, roguet. Voilà pour Sylvia, avec plaisir. Allez, ben pour les 17 restants, le petit rappel, voyons voir. Donc le rappel, qu'est-ce qui était proposé? Ben pas grand-chose finalement. Mon nono, l'estance à un cambrioleur, ah, je vais la jouer samedi soir. Alors, le vieux Léon, ok, un peu long. L'ombre des maris, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Ben écoutez, on va dire que c'est Camoulox qui a gagné, parce que j'adore le mouton de Panurge. J'ai rien dit. J'hésite entre les oiseaux de passage et le mouton de Panurge. Les deux sont superbes, j'ai pas de capot. Donc, voyons, les oiseaux de passage ou le mouton. Ah, ben tiens, je vais tenter un truc. Voyons voir. Je tente un petit sondage. Démarrer un sondage. Je mets, poser une question, je mets oiseau de passage ou mouton de Panurge. Ou alors, quelle chanson? On va tenter un truc, je tente le sondage. Quelle chanson, point d'interrogation, oiseau de passage ou mouton de Panurge. Ok. Et vous allez voter. Attention, préparez-vous, prenez vos petits boîtiers. Vous allez voter. Tac, tac. Allez, ça sera l'un ou l'autre. Démarrez le sondage. Allez, comme il va y avoir un petit peu de temps. 100% pour les oiseaux de passage. Ben c'est bon. 50-50. C'est super, ça vote. Écoutez, allez, le temps, les oiseaux de Panurge, exactement. C'est ça, on va faire les oiseaux de Panurge, pas de souci. J'aime les moutons de Panurge. Ouais, mais non, mais on va tester le coup du sondage, ça peut être marrant. Allez, le temps du sondage, j'en fais une autre, comme ça, il y en aura deux. Il y a un double rappel. Un double rappel. Alors, mon nono, j'aimerais beaucoup te faire plaisir, mais c'est en 5 cambrioleur, ça fait pas un peu chanson de fin, là, c'est trop triste. C'est trop triste. J'ai rendez-vous. Allez, j'ai rendez-vous avec vous, tiens, puisque je dois la répéter, ça tombe bien pour samedi. Et en plus, elle est rapide. Allez, le temps de j'ai rendez-vous avec vous, votez pour votre chanson préférée. Oiseau de passage ou mouton de Panurge, on verra qui remporte les suffrages. Allez, c'est parti. Et s'il y a 50-50, j'espère que pas, je choisirai du coup.
Monseigneur l'astre solaire, comme je ne l'admire pas beaucoup, m'enlève son feu, il met son feu, moi je m'en fous, j'ai rendez-vous avec vous. La lumière que je préfère, c'est celle de vos yeux jaloux. Tout le restant m'indiffère, j'ai rendez-vous avec vous. Monsieur mon propriétaire, comme je lui dévaste tout, chasse de son toit, oui mais de son toit, moi je m'en fous, j'ai rendez-vous avec vous. La demeure que je préfère, c'est votre robe à froufrou. Tout le restant m'indiffère, j'ai rendez-vous avec vous. Madame ma gargotière, comme je lui dois trop de sous, chasse de sa table, oui mais de sa table, moi je m'en fous, j'ai rendez-vous avec vous. Le menu que je préfère, c'est la chair de votre cou. Tout le restant m'indiffère, j'ai rendez-vous avec vous. Sa majesté financière, comme je ne fais rien à son goût, garde son or, hors de son or, moi je m'en fous, j'ai rendez-vous avec vous. La fortune que je préfère, c'est votre cœur d'amadou. Tout le restant m'indiffère, j'ai rendez-vous avec vous. Alors, le résultat du sondage, est-ce qu'on a le mouton de passage ou les oiseaux de Panurge? Qu'est-ce qu'on a? Alors, ça discute, ça discute. Je laisse les autres, j'adore les moutons. Tac, 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 tac. Alors, votez les 11 autres. Bon, ben, personne vote, qu'est-ce qui se passe? Il est où le sondage? Je l'ai perdu. 57% pour le mouton de Panurge, alors ça sera le mouton de Panurge. De peu. De peu qui remporte les suffrages, de très peu. J'aurais bien fait les oiseaux de passage, mais j'aime bien la jade, j'aime beaucoup les deux en fait. Allez, le mouton de Panurge. Mouton de Panurge qui est, d'après mes statistiques, une chanson très très appréciée des fans de Brassens dans la série Les morceaux qui ne sont pas des tubes. C'est un morceau très apprécié. Bon, bah, vous avez voté. Hop là, c'est parti pour le mouton de Panurge et on terminera là-dessus. Merci beaucoup d'être arrivé jusqu'ici. Pour ce live, n'oubliez pas que je suis en concert régulièrement sur Paris. Vous avez toutes les infos sur mon site, samedi soir par exemple. Elle n'a pas encore de plume, la flèche qui doit percer son flanc. Et dans son cœur, rien ne s'allume quand elle cède à ses galants. Elle serait bien des gondoles, des fleurs bleues, des galants discours, des Vénus de la vieille école, celles qui font l'amour par amour. Des Vénus de la vieille école, celles qui font l'amour par amour. N'allez pas croire davantage que le démon brûle son. Il s'arrête au premier étage, son septième ciel, et encore. Elle n'est jamais langoureuse, passée par le pont des soupirs, et voit comme les bêtes curieuses, celles qui font l'amour par plaisir. Et voit comme les bêtes curieuses, celles qui font l'amour par plaisir. Croyez pas qu'elle soit à vendre quand on l'a mise sur le dos. On n'est pas tenu de se fendre d'un somptueux petit cadeau. Avant d'aller en bacchanal, elle présente pas un devis.
elle n'a rien de ces belles vénales, celles qui font l'amour par profit. Elle n'a rien de ces belles vénales, celles qui font l'amour par profit. Mais alors, pourquoi cette telle, sans cœur, sans lucre, sans plaisir? Si l'amour vaut pas la chandelle, pourquoi le joue-t-elle à loisir? Si quiconque peut, sans embâge, l'aider à dégrafer sa robe, c'est parce qu'elle veut être à la page, que c'est la mode et qu'elle est snob. C'est parce qu'elle veut être à la page, que c'est la mode et qu'elle est snob. Échange coutumes et filles, un jour peut-être en son sein nu, va se planter pour toute la vie une petite flèche perdue. On ne verra plus qu'elle en gondole, elle ira jouer à son tour les Vénus de la vieille école, celles qui font l'amour par amour. Les Vénus de la vieille école, celles qui font l'amour par amour. Voilà pour les Mentons de Panure, j'ai cette dernière chanson. Et bien voilà, vous êtes encore 15. Merci beaucoup d'être arrivé jusqu'ici. C'est super. Alors ça, je ne vois pas l'entièreté du sondage. Ah oui, voilà, 43 machin, on ne voit pas 7 votes. Ok. Les 11 autres et 7 votes. Ben c'est bien, c'est marrant, les petits sondages. Je pensais mettre ça au départ, et puis finalement, j'arrive à faire toutes les demandes par vague, donc je trouve ça plus sympa. Mais en cas de litige, on fait un vote. Voilà, c'est la démocratie. C'est la démocratie des chansons à la demande. Donc, merci beaucoup d'être arrivé jusque-là. N'oubliez pas que, pour être au courant des prochains lives, il vous suffit de vous abonner à la chaîne et de mettre une petite alerte pour... recevoir les annonces de live. Je les annonce en général 1, 2, 3 jours avant, peut-être le jour même éventuellement. Si vous voulez aussi avoir l'info un peu plus directe, il y a un groupe WhatsApp sur mon site, Antoine Chambrassens, et puis je suis en concert samedi soir. Voilà, j'ai déjà dit ça 10 fois. Vous êtes encore une quinzaine. Merci beaucoup à tout le monde. Je vais continuer de lire le chat même après avoir coupé, donc si vous voulez me faire un petit coucou, dire au revoir. Merci d'être venu. À samedi pour Benoît, ben oui, super. Benoît, et puis merci tout le monde, à ciao ciao, à la prochaine. Voilà, je coupe le live, mais je regarde la suite des commentaires. Merci zéro d'homme trivial. Je continue et je vous répondrai éventuellement dans le chat. Allez, hop.